sera avant tout dans nos camarades, élu président de l'Assemblée de la Nation. Adieu, ce moment solennel à mes deux parents que Dieu a permis de m'engendrer. Au RPG Arcassière, qui m'a fait l'honneur de me désigner comme candidat au Perche. Je rends un vibrant hommage au président de la République, le professeur Akamadé, pour avoir renouvelé en moi sa confiance lors de l'établissement des listes du RPG Arcassière pour le scrutin du 22 mars 2020. Je sais que je ne suis pas le meilleur d'entre vous tous, chers collègues. Il fallait seulement un à cette place. Et Dieu a voulu que vous acceptiez de me mettre au devant. Je sais et je mesure la hauteur de mes charges. Mais je ne doute pas un seul instant que votre concours, ensemble, de manière participative, nous allons relever les défis qui sont les nôtres à partir de maintenant. À cet instant solennel de la vie de notre Parlement, je pense sincèrement à ce peuple éminent qui a toujours surmonté avec courage et lucidité les difficultés qui jalonnent son parcours et qui finit toujours par trouver dans le très fond de lui-même la force nécessaire pour vaincre ce qui pourrait paraître être une fatalité et faire face irréversiblement à son destin. Je pense à la part que nous, les députés de cette législature, nous devons prendre dans ce combat de tous les instants afin de préserver les acquis et d'ouvrir de nouvelles prometteuses perspectives à nos populations. Il est de tradition, en de pareilles circonstances, de se projeter dans l'avenir, de formuler des vœux et de prendre des engagements. Sans m'y dérober, je veux souligner qu'une telle démarche manquerait de fondement si nous ne procédons pas ensemble à une évaluation de notre parcours politique qui a débuté dans l'allégresse du lendemain de la fin de la transition 2010. Il est vrai que depuis cette date, 2010, notre peuple s'est efforcé de construire une société démocratique
ou les libertés individuelles et collectives, bien que malmenées à certaines occasions, ont pu et ont survécu pour le bonheur de tous. L'édification d'un état de droit s'est enrichie de quelques victoires qu'il convient de saluer et d'amplifier. Malgré ces avancées significatives dont nous devons nous réjouir, il nous faut cependant reconnaître que sur la période considérée, le bilan des activités des classes politiques ne pousse pas à l'optimisme. Il laisse penser à un recommencement continu que l'on peut découvrir aisément à l'écoute des vidéos et des audios qui sont proposés sur les réseaux sociaux. On y découvre que les premiers responsables de notre pays partagent les mêmes analyses de notre situation lorsqu'ils sont en fonction, ministre ou premier ministre, mais dénoncent les blocages de notre société et les insuffisances de notre modèle démocratique et notre gouvernance, quitte à renier leur propre analyse une fois le mandat achevé. Au regard des constats qu'ils présentent, il s'avère souvent difficile de distinguer les acteurs d'hier de ceux d'aujourd'hui. C'est cette permanence dans la dénonciation des travers de notre vivre ensemble. Plus de 500 manifestations en 9 ans qui a conduit le chef de l'État et son gouvernement à souhaiter des réformes profondes de notre système politique en proposant une nouvelle constitution. Dans tous les domaines, afin que notre modèle démocratique ne soit plus source d'extension et d'approfondissement de la pauvreté et de la misère au sein de notre population. C'est dans ce cadre que naît la 9e législature qui termine les réformes courageuses de notre système partisan. Des difficultés sont apparues dans la mise en œuvre de ces réformes politiques. Il est regrettable que certains de nos concitoyens aient choisi la violence pour exprimer leur désaccord et se sont livrés à des actions qu'il convient de condamner avec fermeté et de bannir à jamais. Celles-ci ont entraîné des pertes en vie humaine, des destructions de biens publics et privés, autant de dégâts dont nul ne peut justifier, s'honorer, quelle que soit la cause défendue et les frustrations subies. C'est le lieu de saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont malheureusement perdu la vie dans ces tragiques événements. Que leurs familles et leurs proches soient assurés de la compassion et du soutien de l'Assemblée. Je saisis également cette occasion pour féliciter et louer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ont dû intervenir à maintes reprises pour maintenir l'ordre, la sécurité et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Chers collègues députés, Monsieur le ministre, comme vous apercevez, la 9e législature est celle de tous les défis. Bien entendu, nous devons nous acquitter des tâches de la Constitution que la Constitution nous confère, légiférer et contrôler l'action du gouvernement.
outre ses activités traditionnelles. La situation politique de notre pays nous impose d'élargir notre champ d'action et d'innover. Par-delà les appréciations partisanes, souvent qui grossissent ou minimisent tel ou tel aspect de la réalité nationale, il reste que les conditions du déroulement du scrutin législatif imposent des comportements nouveaux et appelle de notre part une recherche constante des conditions de restauration de la confiance entre les Guinéens et les acteurs politiques. Celle-ci a été ébranlée, en effet, par des incompréhensions dont la persistance pourrait nuire à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Pour diverses raisons, les forces politiques n'ont pas pu prendre part au scrutin du 22 mars 2020. Elles en éprouvent des légitimes frustrations, source de clivage dans notre société. Le Parlement ne saurait rester indifférent devant telle situation. Aussi devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ceux dans un climat de sérénité retrouvé. J'y consacrerai tout le temps qu'il faudra, car en la matière, aucun sacrifice ne sera trop. Chers collègues, la campagne électorale aussi nous a offert l'occasion d'écouter une fois encore les doléances des populations. Nous les connaissons tous au point qu'il serait indécent de les énumérer en cette circonstance. Notre devoir consiste à ne jamais les perdre de vue dans l'examen des projets et des propositions de loi. De même, le contrôle, plus que par le passé de l'action du gouvernement, doit nous permettre de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Ce contrôle, cependant, ne doit pas s'attendre. Ce contrôle doit s'étendre aux entreprises publiques et civiles publiques et à tous les autres niveaux prévus par la loi. La vigilance qui s'impose à nous, cependant, n'importe point, en un instrument contre le pouvoir de façon systématique. Chers collègues, pourrions-nous remplir toutes ces missions à la satisfaction de nos concitoyens si nous ne remettons pas en cause nous-mêmes? Au plus simple, commençons par la ponctualité dès que ce sera possible. L'utilisation rationnelle du temps, le respect du tiers, la dignité dans tous nos comportements, à l'hémicycle comme dans la vie courante, dans notre rôle permanent de représentant du peuple. Notre respect de l'éthique dans tous nos comportements fera sans doute tâche d'huile dans l'ensemble de la classe politique et même au-delà. Chers collègues, mesdames et messieurs, il nous faut vaincre aussi toutes les résistances pour ouvrir de nouveaux champs d'action à notre Parlement. Il en sera ainsi pour l'administration parlementaire. Débarrasser des considérations clientélistes et soucieux d'efficacité. J'espère que la restauration des normes administratives déjà commencées dans la gestion du personnel améliorera sa performance. C'est le lieu de déplorer une fois, chers collègues, encore la faiblesse numérique de nos sœurs au sein de notre institution. Malgré les initiatives prises au cours de la précédente législature, nous ne serions de mesure à continuer de priver notre Assemblée de sensibilité enrichissante. Nous voudrions compter sur votre soutien
pour relever les défis qui nous attendent. Nous voudrions compter aussi sur nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés dans nos initiatives. Qu'ils en soient remerciés, notamment la France, l'Union européenne, la Chine, la Russie, les États-Unis et tant d'autres. Je vous invite donc, chers collègues, à vous mettre résolument au travail, à transcender les divergences politiques et à faire preuve de disponibilité pour qu'ensemble, nous puissions gagner le pari de la 9e législature. Pour terminer, je voudrais m'adresser à nos jeunes. Nous sommes heureux d'affronter un bon nombre au niveau du Parlement qui le retient que si à un moment donné de la vie, la jeunesse est un privilège, elle n'est pas un mérite. Personne ne s'est battu pour être jeune. C'est une étape de la vie. L'important, qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse en la mettant au service de la communauté. Pour terminer, permettez-moi de dire cette prière toute simple. Dieu fait de moi un instant de la paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Que Dieu ait sa puissance, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre. Car c'est à ce donnant qu'on reçoit, c'est à soupirant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Vive la 9e législature, vive la République de Guinée, vive la démocratie, vive le président, professeur Alpha. Monsieur, ah, qui est-ce?